Bonjour et bienvenue à l'entracte martial. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je reçois Rodolphe Paulet pour l'inauguration de la chaîne. Rodolphe pratique et enseigne le Tai Chi Chuan, un art martial peu connu du grand public. Tout le monde connaît le Tai Chi. Cette pratique, cette danse effectuée de bon matin par nos aînés dans les parcs en communion avec la nature. Mais combien savent, ici, aussi bien qu'en Chine, pays d'origine de cette discipline, que c'était au départ une pratique martiale, utilisée concrètement par des escorteurs, des gardes du corps? Comment sommes-nous arrivés là? La pratique martiale est-elle toujours présente? Ce sont des questions auxquelles Rodolphe nous apportera des éléments de réponse issus de son expérience. Rodolphe est quatrième de Han de la FAEMC, Fédération des Arts Énergétiques et Martiaux Chinois. Il enseigne et forme des enseignants. Il est co-auteur avec Wei Jiacombrelan du livre « Trésor du Tai Chi » aux éditions Atlante. Il est également co-fondateur de l'académie Chan Wudao. Cette académie propose des pratiques de tradition chinoise unissant le corps et l'esprit, pour reprendre leurs termes. Rodolphe y enseigne le Tai Chi Chuan. Et sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Je vais laisser Rodolphe se présenter et nous décrire son parcours. Rodolphe, merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue à toi. Merci à toi pour l'invitation, c'est avec plaisir. Donc mon parcours, je pense que comme beaucoup, j'allais dire, dans l'enfance... J'ai fait du judo. Ça a pas duré très longtemps, mais c'était suffisant, je pense, pour ancrer certaines choses jusqu'à maintenant. Ensuite, en fait, pendant mon parcours, il y a eu plusieurs intervalles où j'ai cessé de pratiquer, puis je m'y suis remis. Donc après, c'était au collège, je crois. J'ai fait du karaté traditionnel d'Okinawa, donc c'était déjà un style un peu particulier, pas le style de karaté moderne, mais déjà un peu sinisant, on va dire. Ensuite, pareil, un intervalle où j'ai cessé la pratique. Et puis j'y suis revenu avec un art martial vietnamien, c'était à l'université, le Viet Vu Dao. Que j'ai pratiqué assez intensément pendant quelques années, et puis à nouveau une interruption, et donc tout ça c'était des arts martiaux qu'on dit externes, hein. Et puis en 2007, là par contre, j'ai vraiment trouvé la pratique qui me convenait et que je continue à suivre, à pratiquer aujourd'hui, c'est le Tai Chi Style Chen. Et juste, ce qui peut être intéressant de mentionner, c'est que au départ, j'étais avec une enseignante qui a donné des bonnes bases, mais qui mettait pas du tout l'accent sur l'art martial, justement, sur l'aspect martial. Et je sentais que son enseignement était limité, en fait, que je voulais des choses qu'elle pouvait pas me donner, en fait. Et c'est pour ça qu'en 2 ans plus tard, j'ai découvert qu'il y avait un institut de recherche, l'IRAP, qui était en fait un groupe de professeurs autour d'un maître chinois, Wang Xian, et notamment dirigé par deux de ses disciples, Alain Codine et Philippe Delage. Et là, j'ai vraiment trouvé l'aspect martial qui manquait à ma première pratique du Chen. Donc, c'était une révélation et j'ai eu de la chance de tomber dans cette école, je pense. Et selon toi, comment ça se fait, en fait, que, par exemple, cette dame avec qui tu pratiquais, elle faisait donc du Tai Chi Chen, mais elle était toujours dans la santé. Et comment tu expliques, est-ce que on pourrait revenir un peu sur l'historique, donc expliquer que le Tai Chi est un art martial historiquement, et essayer de comprendre comment on a eu ce glissement en fait d'une pratique martiale vers une pratique de santé? Oui, donc c'est un vaste sujet. D'ailleurs, on y consacre une partie du livre que tu as mentionné. Effectivement, alors
Moi, je mets tout de suite de côté les origines mythiques qu'on entend trop souvent dans le milieu, d'un ermite taoïste qui aurait mis au point un art martial. Donc ça n'a vraiment aucune base sérieuse. En observant le combat d'une grue et d'un serpent, quelque chose comme ça, oui. Bon. Voilà, donc en fait, ce Jian Sanfeng, jusqu'à preuve du contraire, ne pratiquait pas d'art martial. Voilà, il y a beaucoup de controverses sur ce sujet. En revanche, une origine beaucoup plus fiable, donc c'est de le village de Tianjiagou, et notamment avec la personne de Chen Wangting, c'était au XVIIe siècle, qui effectivement était un militaire. Un réserviste, il me semble. Effectivement, il est revenu après son temps dans l'armée au village. Il y a des textes où il explique qu'il forme la jeune génération. C'était ni un poète, ni je sais pas, un danseur, c'était un militaire. Et d'ailleurs, il y a un autre militaire qui est très connu aussi, un siècle plus tôt, 16e siècle, c'est Qi Ji Guang, qui est un général de la dynastie Ming, qui est connu notamment pour avoir repoussé des pirates et pour avoir publié un manuel militaire. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a un chapitre sur la pratique à main nue, et on voit bien que la plupart des postures qui sont décrites se retrouvent aujourd'hui dans le Tai Chi Stil Chen. Donc c'est assez vraisemblable qu'il y ait eu un passage de l'un vers l'autre. Donc là, on voit bien qu'effectivement, à l'origine, il y a quand même deux personnalités issues de l'armée. Voilà. Et puis même par la suite, quand on est passé dans le côté civil, effectivement, dans le village, il y avait une tradition de suivre des métiers d'escorteurs, de convoyeurs, de marchandises. Ça aussi, c'est assez bien répertorié pour le coup. Il y a eu des stèles qui ont été découvertes qui rendaient hommage dans une province voisine aux exploits d'un escorteur du village Chen. Donc, car à l'époque, comme en Occident chez nous, les routes étaient peuplées de brigands, et donc il fallait se défendre, et les techniques se devaient d'être concrètes, sinon on était mort, tout simplement. Donc on voit bien que c'est un art martial, et donc aujourd'hui, comment est-on arrivé donc de cet art martial, des techniques concrètes qui étaient appliquées, comment est-on arrivé à une discipline de santé où les gestes, finalement, sont loin des gestes concrets à utilité martiale? Bah, je pense qu'en fait, même si il y a une spécificité pour le tai chi, c'est quand même une évolution globale des arts martiaux qui ont été finalement créés sous les Ming. Et donc, même si pour le tai chi, il y a une spécificité, c'est que il y a eu cette transition de Tianjiagou vers Pékin, qui fait que le Tai Chi Chuan a été introduit dans un milieu urbain avec des attentes nouvelles, et donc progressivement, quand c'est passé dans la famille Yang, et notamment Yang Chengfu, ils ont diffusé un Tai Chi plus accessible, donc en supprimant des mouvements trop difficiles ou trop martiaux, justement des coups de pied qui ont été supprimés. Il y a les sorties de force, les fading, sont devenues presque invisibles, et à tel point que quand Chen Fake, lui, donc c'était à cette époque vraiment le chef de file de l'école Chen, quand il est venu lui aussi à Pékin, je crois que c'était en 1927 si je m'abuse, ce qu'il a montré a choqué les gens qui découvraient un tai chi qui n'était pas celui auquel ils étaient habitués. Et donc il est dit même qu'il a, quand il frappait le sol avec son pied, les tuiles du toit étaient ébranlées, et les gens ont vraiment été secoués de voir que c'était ça le tai chi authentique. Donc là, on voit que ce n'est pas un phénomène nouveau, ce glissement
puisqu'il y a déjà un siècle, on peut dire qu'il y avait eu cette tendance, ce glissement. Et donc, la pratique martiale, aujourd'hui, ta pratique, est-ce que tu pourrais nous en raconter, nous parler, dire à nos auditeurs un peu plus? Car on pourrait penser que cette pratique s'est perdue, et tu es, entre autres, la preuve qu'elle existe, mais qu'elle devient peut-être de niche. Oui, alors c'est toujours difficile de proclamer quelque chose comme ça. Moi, cet aspect-là m'intéresse énormément. Pour moi, ça doit rester un art martial. Et d'ailleurs, même en chinois, ils font la distinction, en fait, entre Tai Chi Chuan, ou Chuan, justement, veut dire art martial chinois, et ce qu'ils appellent Tai Chi Cao, qui est en fait l'entraînement physique qui permet de renforcer ses muscles, ses tendons, mais sans l'aspect martial. Donc ça reste comme une espèce de fitness. Une gymnastique. Voilà. Comme du qigong finalement. Oui. Enfin, donc avec éventuellement ça peut. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut quand même solliciter beaucoup les jambes, les cuisses, former le corps. C'est pas du tout inefficace sur ce plan-là. Mais par contre, ce n'est pas de l'art martial si on oublie, on omet certaines caractéristiques. Qu'est-ce qui caractérise l'art martial, le tai chi martial, comparé à un tai chi gymnique? De santé. Alors, c'est un vaste sujet, je te l'accorde. Oui. Mais je pense que ce qui est primordial, déjà, c'est l'intention qu'on met dans les mouvements. C'est sûr que si on habite son tai chi en ayant parfaitement conscience que c'est un art martial, on va pas le faire de la même façon que si on l'exécute pour la relaxation ou le bien-être, ou même pour exercer son corps. Donc l'intention, on en parle souvent dans les textes, mais elle doit vraiment être, c'est concret, ça doit vraiment se ressentir et dans les mouvements. Et donc évidemment ça passe, mais ça c'est un peu la base, par le fait de comprendre que chaque geste qu'on exécute correspond à une application martiale ou éventuellement avec quelques variantes. Et non pas une chorégraphie vide de sens. Mais ça, c'est un peu la première étape. Ensuite, ce qui est primordial, évidemment, c'est le travail à deux. On ne peut pas concevoir un art martial qui se pratiquerait en solo dans le vide. Et il faut aussi que cette pratique à deux, progressivement, devienne de moins en moins coopérative. Complaisante. Voilà, complaisante, c'est peut-être un peu fort, mais disons que dans le cursus habituel, en Tai Chi Chuan, on a ce qu'on appelle la poussée des mains, ou les mains collantes, le très chaud. Et on commence habituellement par des formes codifiées, où vraiment il y a une gestuelle que les deux partenaires exécutent, sachant pertinemment ce que l'autre va faire, même si ça sert quand même, dans cette phase-là, à développer un travail de sensibilité qui est très intéressant, ou de placement dans la routine. Mais petit à petit, ça doit déboucher sur un travail de plus en plus libre, de moins en moins codifié, pour aller jusqu'au combat souple, le sparring, si on veut vraiment prétendre à faire un art martial comme dans n'importe quel art martial. Tout à fait, je suis d'accord. C'est cette dernière partie, finalement, je trouve, qui est moins présente dans les différents enseignements et peut-être plus dans les pratiques de santé, parce que le tui chou dont tu parlais est aussi présent dans le Tai Chi Yang. Mais je pense qu'il s'arrête... Alors, si je froisse des personnes, je m'en excuse, mais je pense qu'il s'arrête à cette partie-là et qu'il n'y a pas ce travail de sparring dont tu parles. Alors, justement, pour contrebalancer ce que tu dis, j'irai pas jusqu'à dire que ça dépend du style, en fait.
C'est vrai que le style Chen a cette réputation d'être plus martial et c'est manifeste hein, quand on voit le style Chen, quand on le pratique. Mais il y a sûrement des gens qui pratiquent le style Yang avec cette même intention martiale. Ils sont peut-être encore plus rares que dans le style Chen. Mais voilà, je pense pas que ça soit spécifique à un style, mais dans le style Chen, c'est pas parce qu'on pratique le style Chen qu'on le fait de façon martiale. Réellement. Je connais très peu de gens, finalement, qui vont jusqu'à mettre des mitaines et des protections et faire un peu de sparring, même dans le style Chen. Quelles sont justement les difficultés que l'on rencontre dans cette pratique? Alors dans l'apprentissage, tu veux dire ou... L'apprentissage, c'est le point de départ. Et j'ai envie de dire, donc tu parles de mitaines, de mettre des mitaines, par exemple, d'aller. Et là, donc quoi, sur le terrain pratique, on va dire, les personnes donc qui vont venir, qui vont vouloir faire ce genre de pratique, ne sont pas, en général, celles qui viennent rechercher un tai chi de relaxation. Donc, quelles difficultés rencontre-t-on donc pour arriver à pratiquer cet art martial aujourd'hui, qui est tellement, tellement, qui a une image tellement ancrée de discipline de relaxation? Oui, bah c'est sûr qu'il faut trouver un enseignant qui choisisse de mettre l'accent sur cet aspect-là. C'est devenu de plus en plus rare. Mais potentiellement, je pense que toutes les personnes intéressées par les arts martiaux seraient amenées à pratiquer le Tai Chi Chuan de cette façon. Et, même si c'est une niche, elle n'est pas plus étroite qu'en Aïkido, par exemple, ou que dans d'autres styles chinois ou non chinois. Mais c'est vrai qu'il y a cette image, c'est ça qui plombe énormément le Tai Chi Chuan, cette image effectivement de relaxation qui prédomine et qui est de plus en plus mise en avant. Et que donc, nous, on a un effort à faire, c'est d'arriver à faire accepter qu'en fait, le Tai Chi Chuan, c'est autre chose. Et pour que les gens soient amenés à venir le découvrir, à le pratiquer, quoi. Et sur le plan technique, il y a quelque chose sur lequel je voulais insister, moi. C'est que, quand on voit même des pratiquants qui prétendent faire un tai chi martial, et qui font des démonstrations de ça, avec des partenaires, ce que je reproche souvent, c'est que, leur expression se limite à pousser, tirer, et donc à déraciner leurs adversaires, leurs partenaires plutôt, qui sont projetés un peu dans les airs, ce qui est spectaculaire pour celui qui voit ça. Mais c'est pour moi une portion limitée de l'arsenal technique de Tai Chi Chuan, qui, comme n'importe quel art martial, comprend des percussions avec toutes les parties du corps d'ailleurs, aussi bien les coudes que les épaules, que les poings évidemment, les paumes, voilà, toutes ces parties-là, c'est d'ailleurs un adage que toutes les parties du corps peuvent frapper. Donc il y a des percussions, il y a des projections aussi, qui peuvent être assez violentes même, c'est pas simplement des amener au sol, mais vraiment jeter au sol violemment l'adversaire. Il y a aussi des soumissions, et de luxation, donc casser les articulations, ça, voilà, on le trouve dans tous les arts martiaux et évidemment dans le Tai Chi Chuan. Simplement, ensuite, il va y avoir d'autres aspects qui différencient le Tai Chi Chuan dans la pédagogie, on va dire, dans la méthode pour développer ces capacités-là. Et cette pédagogie, cette méthode, elle est liée en fait à des principes du Tai Chi Chuan, qui donc doivent être apprises par l'élève pour pratiquer donc des techniques donc dans l'esprit donc dans du tai chi plutôt que d'utiliser sa force brute, si j'ose dire. Alors je ne veux pas dire qu'on n'utilise pas de force en tai chi, mais il y a des principes
qu'il faut apprendre. Donc peut-être peux-tu nous en dire davantage, Rodolphe, à propos de ces principes. Effectivement, c'est l'importance des bases, des fondamentaux. C'est ça aussi qui fait que l'art martial passe parfois au second plan, parce qu'il est essentiel pour nous de mettre l'accent sur ces fondamentaux, mais du coup, ça peut parfois repousser cette pratique martiale à plus tard. Et donc repousser aussi, peut-être intimider des potentiels élèves qui voient de telles pratiques et qui ne voient pas la connexion, la correspondance avec comment ça va être utilisé au final. Oui, et ça, je pense que ces personnes-là qui peuvent trouver que ces exercices de base sont éloignés de la pratique martiale, c'est là qu'il faut avoir une certaine confiance, une certaine foi dans la méthode, et d'autant plus facile à acquérir si l'enseignant démontre des qualités martiales. On se dit voilà, il est passé par ce long chemin pour arriver à ces capacités-là, donc je vais m'investir dans cette méthode malgré tous les aspects un peu austères des bases. Et alors notamment, ça va être ça peut être des postures statiques à tenir pour développer l'enracinement, pour développer les connexions au sein du corps. Et puis différents exercices fondamentaux de déplacement, de coordination des membres. Donc ça peut rebuter, surtout quand on a une exigence, quand le professeur a une exigence très forte en termes de posture, de structure, d'alignement. Mais c'est en fait primordial, puisque toutes les techniques dont on a parlé précédemment, les percussions, les projections, les soumissions, etc., ne sont efficaces, ne peuvent être efficaces que si la structure interne du pratiquant, sa posture, permet d'appliquer cette technique-là efficacement. C'est quelque part, si je peux faire cette parenthèse, c'est la pédagogie qui est utilisée dans le Tai Chi. Et l'inverse de la pédagogie qu'on retrouve souvent dans des arts plus externes, type de boxe, où on commence dans un premier temps à aller et essayer de voir ce que se donne, de se parer avec un partenaire. Et puis ensuite, on lui donne des éléments techniques de placement, du poids de son corps, tout ça, pour arriver à exécuter une technique plus proprement. Alors qu'en Tai Chi, c'est la pédagogie inverse qui est utilisée, à savoir, on enseigne d'abord les placements, comment se positionner, comment se mouvoir, comment se tenir debout, avant de passer à une pratique à deux. Oui, et encore une fois, c'est malheureusement pour ça aussi que la pratique à deux est souvent repoussée. Si elle est abordée un jour, elle l'est souvent trop tardivement. Donc il y a un compromis à trouver, hein. C'est sûr que commencer une pratique à deux trop tôt, c'est pas bénéfique. En même temps, je suis pas partisan de la retarder exagérément. Faut trouver un compromis, et peut-être le problème qu'on a d'un point de vue pédagogique, c'est que traditionnellement, l'enseignement était très personnalisé et s'adressait pas à un groupe prétendument homogène. D'une dizaine, d'une vingtaine, d'une trentaine de personnes. Donc on pouvait vraiment cibler les besoins d'un pratiquant. Tout le monde n'est pas fait sur le même moule. Et donc on pouvait peut-être introduire plus tôt cet aspect martial chez certains et le retarder chez d'autres. Moi, à mon niveau, je le fais. Je le fais un peu quand je vois qu'en face de moi il y a quelqu'un qui a déjà un parcours martial ou que son corps est déjà assez solide et qu'il est dans cette motivation, je vais être amené à lui montrer, à lui faire travailler cet aspect martial beaucoup plus tôt que quelqu'un qui débarquerait avec
des grosses lacunes de coordination ou de placement. Voilà. Parce que souvent, si les gens viennent dans un cours et n'ont rien fait du tout avant, ça rend les choses beaucoup plus complexes, évidemment. Oui, s'il faut partir de zéro, c'est sûr, c'est pas la même. Et on parlait de difficultés, et il y a une difficulté dont on parlait ensemble avant l'enregistrement, c'était aussi la difficulté de trouver un enseignement. Donc là, on parle, donc toi tu enseignes, mais tu as aussi besoin d'être, tu suis un enseignement. Et donc, voilà, quelques mots pour partager avec nos auditeurs, donc cette difficulté pour trouver justement un apprentissage qui te correspond. Oui, faut voir que même si on s'adresse à des maîtres réputés, c'est pas du tout dit qu'ils aient cette connaissance, cette compétence martiale, ou bien qu'ils aient envie de la transmettre, c'est encore un autre problème. Donc, c'est même en Chine, ça reste une niche. Donc, évidemment, quand on est en Europe, c'est encore ce plus qui difficile. Pourrait être assez contradictoire ce que tu dis. Donc, c'est une niche. Et d'un autre côté, il y a cette image en fait véhiculée. Donc là, c'est un autre débat. Mais du Chen comme une pratique martiale. Donc, je le dis en fait ce que Rodolphe peut-être dit entre les lignes, c'est que, mais qui n'est peut-être pas facile à comprendre, c'est que trouver l'art martial authentique, pour reprendre son terme qu'il a utilisé au début, c'est ça qui est difficile. Oui, tout à fait. Alors moi, je pense que en fréquentant Wang Xian, c'est quelqu'un qui a cette qualité. Alors est-ce qu'il transmet tout ce qu'il pourrait transmettre, je ne sais pas. C'est un autre débat. Mais Wang Xian a un parcours aussi qui est original, on va dire, qui n'est pas comme ses autres collègues du village. Bah oui, alors effectivement, il y a plusieurs spécificités. Bon, déjà, ils ont tous en commun quand même d'avoir traversé des temps très difficiles. Oui, la révolution culturelle. La révolution culturelle. Ça peut forger les personnalités. C'est vrai. Tout à fait. Comparé à nous qui vivons dans une de paix. Voilà. Et d'abondance. C'est exactement. Donc c'est une première et d'abondance, tout à fait, parce que dans le village, il y a eu beaucoup de périodes de famine. Donc bon, voilà, c'est une première spécificité, mais c'est vrai que lui avait fait le choix aussi, justement quand la pratique s'était quasiment éteinte dans le village, de s'adresser d'aller rencontrer des experts à Pékin, notamment Feng Jiuqiang, qui était vraiment réputé pour son côté martial, qui relevait des, on va dire, des défis pour son maître. Et donc Wang Xian a essayé d'apprendre de lui cette partie-là. Donc voilà, il y a quand même quelques maîtres qui ont gardé ça, mais je sais pas si dans la génération actuelle c'est encore présent. Il faut vraiment chercher si on est intéressé par ça. Il faut pas hésiter à aller rencontrer des experts. Il faut pas forcément se cantonner à son école tant qu'on n'a pas trouvé la bonne personne. Et puis il y a une autre difficulté, toujours pour rester dans les difficultés qu'on pourrait aborder, c'est donc il y a l'art martial et il y a aussi le sport où donc on n'en a pas parlé, où c'est très populaire, du moins ça commence à l'être en Chine, un sport qui ressemble, pour ceux qui ne connaissent pas, pourrait dire à de la lutte. Et donc il y a aussi ce glissement en fait, où il y a des écoles qui se spécialisent en Chine dans cette forme donc de sportive. Et donc n'est-il pas un danger aussi qu'on perde l'art martial du coup? Donc tu parles de la poussée des mains, je pense, ouais, les tuichos de compétition. De compétition, qui ne sont pas les tuichos coopératifs d'apprentissage tels que ouais. Les. Effectivement, c'est une forme de lutte debout, donc qui se pratique au sein d'un cercle.
Et il s'agit de mettre au sol ou de faire sortir du cercle son adversaire. Alors il y a des pour et des contre dans cette pratique-là, je pense. Moi, je suis toujours quand même respectueux des gens qui osent monter dans une arène et affronter quelqu'un qui va défendre sa peau, on pourrait dire, et qui a pas envie de perdre en tout cas. Et en Chine, les compétitions sont assez rugueuses, beaucoup plus qu'en France. J'avais un de mes professeurs, justement, Samuel. Samuel, voilà, qui était un des rares étrangers à être allé en Chine pour combattre. Et il m'a vraiment raconté à quel point c'était rugueux, que des gens tombaient des plateformes avec des membres brisés. Enfin, donc premièrement, voilà, il y a ce respect envers les gens qui osent et qui donnent de leur personne pour ces combats-là. Mais en même temps, effectivement, ça reste une lutte sportive avec des règles. Donc, toutes les techniques du Tai Chuan ne sont pas admises. Et il faut en avoir conscience. Ça peut pas représenter l'ensemble de l'art martial. Voilà. C'est une partie, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, beaucoup de respect aussi pour toutes les personnes qui montent sur un ring, sur une plateforme ou une cage, ou que sais-je. Mais par contre, oui, ce point en fait sur la martialité, c'est pour moi le danger aussi, c'est on le voit en Chine, c'est quand on se spécialise donc dans ces techniques-là, et ben finalement j'ai envie de dire ça peut devenir comme le judo. Donc le judo qui a glissé vers un sport plutôt qu'un art martial, donc où les techniques peut-être les plus dangereuses aussi ont été progressivement supprimées, pour un très beau sport voilà, qui en plus en France est très populaire et que j'aime beaucoup, mais c'est un sport, ce n'est plus un art martial. Oui, donc c'est pour ça que je rappelais notamment tout à l'heure que parmi les techniques, l'ensemble des techniques qui existent, il y a des percussions et des luxations, tout ça sont des techniques qui sont interdites dans ces combats-là, dans ces combats réglés. En tout cas, heureusement qu'il y a des règles, parce que Oui. sinon, c'est pour la aussi le comment dire, pour le respecter l'intégrité physique Mais des. effectivement, et d'ailleurs, quand ces combats-là ont été introduits en Chine, je pense que c'était sous la République chinoise, donc première partie du XXe siècle, il y a eu effectivement, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de catégorie de poids, il n'y avait pas de protection, et il y a vraiment eu des blessures sérieuses, qui fait que progressivement, les organisateurs ont bien été obligés de fixer certaines règles. On croirait entendre revoir le début de l'UFC aussi, qui était un peu pareil, Oui, tout à fait. qui avait révélé des images choquantes, on peut dire. Et donc, moi, ma question, c'était vraiment dans le sens, en fait, pour aller vers comment, en fait, pas comment, comment ne pas perdre, en fait, quelle est ta position dessus? Comment ne pas perdre cet enseignement? Cette tradition, parce qu'il y a eu une transmission, un art martial, et donc voilà, quelle est ta position dessus? Comment ne pas perdre Que ça ne devienne plus une archive historique. Au même titre, il y a bien les arts martiaux historiques européens qui tentent de retrouver les arts, on va dire, qui étaient chez nous, donc retrouver à partir de manuels. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans 400 ans, il y aurait des personnes qui essaieraient de retrouver le Tai Chi Chuan à travers des manuels? alors C'est bien là le danger si on perd Pour la avoir martialité. vu un peu les manuels, on parlait de Qigong au début, c'est des manuels donc qui contiennent effectivement des illustrations avec un petit descriptif des techniques, mais c'est quand même très très vague et à mon avis pas suffisant pour remonter à une efficience martiale, à un geste martial précis, quoi. Donc
Malheureusement, la seule possibilité qui reste, c'est soit de trouver un enseignant compétent à qui a été transmis ces connaissances martiales, et de toute façon, c'est indispensable, soit soi-même faire une recherche, expérimenter par soi-même. Ça, je pense que c'est vraiment très important. Ça veut dire, si par exemple quelqu'un vous montre une application martiale, comme on peut le voir sur des vidéos, des choses, ensuite il faut travailler cette application avec un partenaire et voir si c'est crédible, parce que c'est souvent le défaut qu'on voit, en fait, de voir des applications très fantaisistes. Dès qu'on les essaie avec quelqu'un en face de soi qui refuse que la technique passe, on va se rendre... Ça, c'est important, tu as raison. Exactement, on va se rendre compte que non, c'est pas possible, ce qui est montré n'est pas faisable. Et en cherchant, mais en cherchant pas intellectuellement, en cherchant face à face avec quelqu'un qui est dans le même état d'esprit, on va trouver peut-être l'application qui, pour le coup, passe beaucoup mieux, parce que on est mieux placé, parce que voilà, pour différentes raisons. Mais ça c'est dur de décrire avec des mots, parce que justement ça s'expérimente vraiment face à face avec quelqu'un qui est non conciliant, pour voir si la technique passe ou pas. Et c'est important, je dis ça, parce que souvent on retrouve ce défaut de cette complaisance. Et donc on se dit, ah bah tiens, bah ça passe. Et donc, si je comprends bien ton conseil, ça serait même au-delà de quelqu'un qui vous montre une application, ça serait d'aller chercher, quand on pratique la forme, d'aller chercher soi-même aussi, avec un partenaire, d'essayer de comprendre en fait quelle est la signification de ce mouvement, pourquoi ce mouvement a été mis dans notre forme. Ouais. Alors, comme j'ai dit, c'est quand même toujours mieux si on a un guide pour nous aider à ça, parce qu'on peut partir dans des chemins de traverse. Mais rien ne vaut quand même l'expérimentation personnelle qui passe par le corps. Et d'ailleurs, quand on fait cette découverte d'une application martiale qui semble fonctionner, le corps s'en souvient en fait. Et beaucoup plus que si on nous l'a inculqué par les mots ou par une gestuelle un peu fantaisiste, un peu artificielle. C'est très intéressant. Avant de conclure, j'ai envie de dire, est-ce qu'on pourrait donc revoir, faire un petit récapitulatif donc de ce qu'on a vu ensemble, donc les différents aspects du Tai Chi Chuan, donc le Tai Chi Chuan que tu pratiques et Tai Chi Chuan martial. Et donc, c'est important, je pense, qu'il y ait ces délimitations entre les différentes pratiques. J'ai envie de dire, pour les pratiquants même en priorité, car une personne n'a pas forcément envie ou besoin de faire de l'art martial, et il ne faut pas dénigrer les autres aspects de la pratique, il faut juste, selon moi, savoir où on met les pieds. Oui, tout à fait, mais tu parlais de résumé, et il y a un aspect malgré tout qu'on a un peu passé rapidement ou peut-être oublié, c'est cet aspect de souplesse dans le Tai Chi Chuan. Parce que à un moment donné, j'ai dit qu'il y avait tout un tas de techniques qui sont communes à tous les arts martiaux, mais que le Tai Chi Chuan avait sa propre méthode pour développer ses capacités. Et notamment, il est bien connu que la détente est primordiale dans la pédagogie du Tai Chi Chuan. C'est Song en chinois, mais il faut comprendre ce que ça signifie, cette détente. Souvent, j'explique à mes élèves que c'est pas synonyme de mollesse, mais que ça va être plutôt, elle va permettre, cette détente, de développer une capacité d'adaptation. Donc, ça veut dire recevoir une technique, la transformer à son avantage. Ça sera possible si on a acquis cette détente, cette souplesse. D'ailleurs, c'est le même mot en judo. En chinois, c'est rou. Donc, c'est cette souplesse-là, elle est importante.
Et aussi le travail de sensibilité qu'on développe dans les Twichu, on le fait pour cette raison-là, de pouvoir ensuite adapter facilement ces actions à celles que nous envoie le partenaire. Tu fais très bien d'en parler, car on est parti sur les chapeaux de roue directement sur le tai chi. Mais peut-être peux-tu rappeler à nos auditeurs, qu'est-ce que le tai chi? Le tai chi au sens philosophique, Pensée pensée chinoise, chinoise. oui. Oui, parce qu'en fait, tai chi chuan, là, pour moi, la traduction, ça serait, comme j'ai dit, chuan, ça veut dire art martial chinois. Et cet art martial met en pratique la notion de yin-yang de la pensée chinoise, qui n'est pas d'ailleurs spécifiquement taoïste ou autre, mais qui est vraiment une pensée clé une notion clé dans la pensée chinoise. Et donc, ça signifie que qu'est-ce que c'est que ce couple yin-yang? C'est l'interaction de deux contraires, on va dire, donc qui se complémentent et qui sont pas fixés à 50-50, 50%, 50%, mais qui tournent, voilà, qui se transforment de l'un vers l'autre. Et donc ça met bien en avant que cet art martial-là, lui, va mettre l'accent sur cette capacité de transformation du passage du souple au ferme, puisque dans le tai chi chuan, on a parlé de souplesse tout à l'heure, mais il y a aussi de la fermeté, pas au sens, en revanche, de rigidité. De la même façon que la souplesse ne doit pas être confondue avec la mollesse, la fermeté ne doit pas être confondue avec la rigidité. Mais par exemple, on a une force fondamentale en tai chi chuan qui est prang, qui est une force d'expansion, et qui se dégage du corps, qui serait l'inverse de se laisser envahir, de se laisser Prendre son espace vital. voilà, c'est ça. Donc c'est la fermeté qu'on compare souvent à celle d'un ballon bien gonflé. Donc voilà, le yin-yang, c'est cette complémentarité des contraires, donc du ferme et du souple, du lent et du rapide. Voilà, donc le Tai Chi Chuan doit mettre en application ces principes-là. L'image que je pourrais que l'on donne souvent pour essayer de visualiser cette différence entre la fermeté, la rigidité, la mollesse, la détente, c'est d'imaginer un ballon type, peut-être pas forcément un ballon de basket, quoique, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ballon de basket, mais l'idée en fait c'est d'un ballon qu'on appuie dessus et sur lequel on peut appuyer, mais qui reprend dès qu'on relâche les doigts, qui reprend sa position initiale. Et donc, c'est ferme, parce que si c'était pas ferme, eh ben, on rentrerait la boule. Mais c'est pas rigide non plus, comme une balle de golf. Et donc, l'idée, voilà, d'arriver à atteindre ces principes-là, en fait, arriver à atteindre dans son corps. Et c'est la partie souple qui dérive, en fait, qui peut arriver à des pratiques trop molles. Quand la souplesse est comprise comme molle, et ça donne des écueils qu'on peut parfois voir. Je dis pas tout le temps. Et c'est justement là aussi que cette fermeté, cette élasticité, ce prang, encore une fois, ne peut pas être véritablement développé en solo, tout seul, en faisant un enchaînement. C'est pas possible. Il faut être en face d'un partenaire Pour pour la ressentir. ressentir et pour vérifier si effectivement on peut recevoir et renvoyer une action, une énergie qui émane d'un partenaire avec ce prang. Et donc c'est sous forme de test ou alors sous forme de, comme on a dit, de travail à deux, de combat. Mais ce prang là ne peut pas être acquis simplement en faisant un enchaînement seul. On peut avoir l'illusion, en revanche, de l'avoir, mais malheureusement, la vérification passe par un travail avec partenaire.
Tout à fait. C'est la vérification, comme tu dis. Car on peut le travailler, et d'ailleurs on doit le travailler quand on travaille seul, mais pour évaluer la finesse, on va dire, donc de son prang, de son énergie d'expansion, donc par le Rodolphe, c'est seulement, alors je dirais même pas forcément un adversaire, je dirais un partenaire au départ, dans l'apprentissage, et avant que ce soit un adversaire, parce qu'un adversaire, ça pourrait être trop tard. Oui. Mais justement, on peut souvent on fait le reproche que le tai chi est trop mou chez certaines personnes, et donc justement ce prang est absent, et avec un partenaire on va s'en rendre compte. Mais de la même façon, il peut y avoir des personnes trop rigides, et de la même façon on va se rendre compte de cette rigidité face à quelqu'un, puisque la rigidité donne un support formidable à la personne en face. Qui va pouvoir vraiment manipuler la structure ou la casser beaucoup plus facilement du fait de cette rigidité. Donc justement, ce prang, c'est quelque chose qui se situe sur un autre plan et qui doit se développer encore une fois à deux, même si effectivement, c'est pas du tout une remise en question du travail en solo qui est primordial. Dans tout ce qu'on a dit pendant cette discussion, ça ne veut pas du tout dire qu'il faut se contenter de travailler à deux. Travailler en solo est primordial, mais simplement, voilà, l'art martial, dans son ensemble, doit inclure tous ces aspects-là. Je suis bien d'accord avec toi. Merci beaucoup, Rodolphe, pour toutes ces explications. Ça a été très très intéressant, très riche. J'espère que nos auditeurs ont apprécié. Avant de se quitter, peut-être veux-tu nous partager des informations. Donc, comment pour ceux et celles qui souhaiteraient pratiquer avec Rodolphe, où tu enseignes, qu'est-ce que tu enseignes? Donc ça, je pense que tu nous l'as dit. Oui, ben moi, j'enseigne dans les Hauts-de-Seine, dans une ville qui s'appelle Fontenay-aux-Roses. Donc effectivement, vous pouvez vous reporter au site de notre académie Chan Wudao pour avoir tous les détails. Et puis plus ponctuellement, si je donne des stages à Paris même. D'ailleurs, le prochain aura lieu le 29 mars. Très bientôt. Et encore une fois, mettra l'accent sur l'art du combat dans le Tai Chi Chuan. Donc, j'invite toutes les personnes qui pourraient être intéressées par cet aspect-là de venir essayer avec un esprit ouvert cette pratique. Je vous invite également, car c'est vraiment très intéressant, une facette du tai chi que beaucoup ne connaissent pas et qui pourrait être agréablement surpris. Rodolphe, merci beaucoup Merci à toi. et à bientôt.